الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دونك شافخاخ أنيس En islam, aujourd'hui, inshallah ta'ala, on a un sujet qui est très intéressant, qui va être très riche en informations, inshallah ta'ala. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur que des sujets réguliers qu'on traite à répétition habituellement dans nos cours et dans nos khutab, inshallah ta'ala. On va commencer par un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui va nous mener vers le sujet en tant que tel, inshallah ta'ala. Par la suite, on va commencer à faire tafri'at, ou bien entrer dans les différents détails qui y sont relatifs. Dans Sahih Muslim, Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, il nous dit « Nada fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman sarafa anil ahzabi an la yusalliyanna ahadun al-dhuhra illa fi bani Quraydata » Le jour de l'ahzab, vous savez qu'il y a eu Ghazwat al-Ahzab ou bien Ma'rakat al-Ahzab, qui est l'Ahzab, ça veut dire les alliés, n'est-ce pas? Les différents alliés, Ahlul Kitab, Quraysh, al-Mushrikin, se sont tous regroupés contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils voulaient tous conquérir ensemble la Médine pour exterminer les croyants et pour finir en quelque sorte l'existence de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons ont fait face à une situation très difficile, extrêmement difficile, mais à la fin, quand Allah subhanahu wa ta'ala a vaincu l'Ahzab, etc., le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est dirigé vers Banu Quraïda, la tribu de Banu Quraïda, parce que Banu Quraïda avait brisé leur engagement de paix avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et s'était allié avec les mushrikines et les polythéistes de Quraysh contre le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les moments les plus difficiles. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, en se dirigeant vers Banu Quraïda, il a donné un ordre à ses compagnons, aux sahaba radiyallahu ta'ala, anhum. « An la yusalliyanna ahadun al-dhuhra illa fi Bani Quraïda » Que personne d'entre vous ne fasse la prière de salat ou al-dhuhr, la prière de dhuhr, à part à l'intérieur de Banu Quraïda, et sur les terres de Banu Quraïda. « Fatakhawwafa nasun » فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. Alors là, il y a eu en cours de route l'heure de salat al-dhuhr ou bien l'horaire de salat al-dhuhr est entré et là il y a eu une partie des sahaba du prophète alayhi salat wa salam qui se sont dit on a peur que l'heure et l'horaire et le temps de salat al-dhuhr ne sortent. Ça veut dire si on continue à se diriger vers Banu Quraïda, peut-être on va arriver avec la prière de Asr et peut-être même Maghrib. Et on ne pourra pas prier salat au dhuhr à temps. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier maintenant. Vous savez? Vous voyez? Alors qu'en apparence, ça semble comme étant une désobéissance à l'ordre du prophète, alayhi salat wa sallam. Et un autre groupe de sahaba, radiyallahu ta'ala, anhum, wa qala akharuna, la nusalli illa haythu amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa in fatana alwaqtu. Un autre groupe de sahaba, ils ont dit, on ne va prier que là où le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de prier, même si l'horaire de la prière va sortir. Donc on va attendre d'arriver à Banu Quraïda, même si on va arriver la semaine prochaine, on ne va prier salat al-dhuhr que dans Banu Quraïda. فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ Alors quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu parler de ça par la suite, il n'a été, en quelque sorte, il n'a donné d'avertissement et il n'a pénalisé aucun des deux groupes des sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadith qui est dans Sahih Muslim
et qui nous donne ici une leçon qui est extrêmement importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a certaines situations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demandent de nous un certain ijtihad, une interprétation de la religion. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous? Est-ce qu'il veut de nous A ou bien il veut de nous B? Et que parfois, toi tu es sincère et tu es qualifié pour faire le ijtihad et tu vas arriver au résultat A. Et l'autre est de même que toi, il va arriver au résultat B. Alors ni A ne sera pénalisé, ni B ne sera pénalisé. Regardez ici, parce que le premier groupe de sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ils disent quoi? Toi, tu pourrais dire, ils sont en train de désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont fait leur prière avant Banu Qurayza. Et ils vont te dire, non. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas le sens qui est apparent. Lettre par lettre, le sens littéraire. Vous voyez? Ou bien le sens littéral des mots ici. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, voulait nous encourager à arriver le plus tôt possible à l'intérieur de Banu Qurayza, à se précipiter pour arriver à Banu Qurayza de sorte à faire notre prière de Salat al-Dhuhr sur les terres de Banu Qurayza. L'autre groupe des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont dit non. Nous, on va comprendre les mots du prophète alayhi salatu wasalam mot par mot, lettre par lettre. S'il te dit ne prie pas Salat al-Dhuhr sauf à l'intérieur de Banu Qurayza, alors tu dois lui obéir comme il dit alayhi salatu wasalam. Et les deux ne voulaient que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir au prophète alayhi salatu wasalam. Ce qui nous mène à notre sujet d'aujourd'hui, le titre de notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est al-khilaf ou bayna al-ulama, les divergences et les différences d'opinion entre les savants de l'islam. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences et quel est notre position envers les différences d'opinion entre al-ulama? Vous savez qu'il y a des gens qui sont allergiques à la question de al-khilaf, dans plusieurs sens. Il y en a par exemple qui comptent à chaque fois qu'il entend parler. Il demande par exemple à un savant, bien il veut lire un livre. Il lit dans le livre, il y a deux opinions là-dessus. Il va te dire, mais c'est quoi cette religion? Les savants, normalement, ils disent tous Dieu et Coran et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi ça? À chaque fois, il y a une division, différentes opinions, etc. Il va avoir un échec. Excuse-moi? Exactement. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a les écoles? Pourquoi il ne comprend rien? Pourquoi Maliki, l'autre Shafi'i, l'autre Hanbali, il ne comprend rien de tout ça? Et parfois, il y a des personnes que ça leur cause al-shak wal-iyadu billah dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres aussi qui sont allergiques à la différence d'opinion dans un autre sens que, il va te dire, c'est les gens qui sont fanatiques à une opinion bien spécifique. Ma urikum illa ma ara, comme Pharaon il disait, wa ma ahdikum illa sabila al-rashid. Al-rashid, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Ça veut dire, tout ce que lui, il croit, ça doit être la vérité. Et ce n'est ni ça, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme dans Sahih al-Bukhari, il dit إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Il dit alayhi salatu wassalam, al-hakim, par exemple le juge ou bien le hakim ou bien le wali, le amir, le alim, etc. À chaque fois qu'il juge, à chaque fois qu'il porte un jugement, qu'il te dise que ça c'est halal, ça c'est haram, etc. Et dans certaines narrations du hadith, il ijtahada. À chaque fois qu'il fait un ijtihad, fa asaba, et qu'il arrive à la bonne conclusion, au bon résultat, ça veut dire, regardez, quelqu'un, il veut arriver à la bonne conclusion, n'est-ce pas? L'ijtihad, quel est le sens de l'ijtihad? Qui pourrait nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad? Al-ijtihad, ça vient de quoi? De quel mot dans la langue arabe? C'est quoi la racine? Ils ont une racine qui est commune. De al-juhd, n'est-ce pas? Al-juhd, l'effort, n'est-ce pas? Al-ijtihad, huwa badlu al-juhdi li al-wusuli ila muradillahi azza wa jalla fi shar'ihi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est quand al-alim, il fait son effort, il fournit son effort, il fait de son mieux pour tenter d'arriver au haqq qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il approuve. Donc ce alim là, quand il fait son effort, quand il fait son ijtihad, ça c'est le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de toi. Il est caché, mais tant qu'il est caché, pas qu'il est caché comme ça de façon qui est absolue, mais moi en situation d'ignorance, quand je ne sais pas, ça c'est une information qui est cachée, n'est-ce pas?
pour ce qui est de ma position. Maintenant, quand moi je fais l'ijtihad, soit que je vais arriver à cette position A qui est la vérité, qui est le haqq, et là je vais avoir, le prophète alayhi salatu wasallam, il te dit, falahu ajrani, je vais avoir double récompense. Pourquoi? La récompense de mon effort et la récompense d'avoir touché à la cible. Et si, wa idha akhta'a, et si je suis dans l'erreur, si mon ijtihad me mène vers la fausse conclusion, alors est-ce que je vais être pénalisé? Non. Il te dit, alayhi salatu wasallam, bien au contraire, je vais être récompensé. Je ne vais pas être pénalisé, je vais être récompensé même si j'ai fait une erreur, mais avec une seule récompense qui est la récompense de mon effort. La récompense de mon effort parce que je n'ai pas touché à la cible en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui, c'est comme quelqu'un par exemple, les gens qui font le commerce, etc. Il est payé pour son salaire en tant que salarié, mais s'il fait, s'il arrive à avoir de bons contrats, on va lui donner un bonus, n'est-ce pas? Le bonus, c'est quand tu touches à la vérité, tu touches à la cible, tu as trouvé al-haq. Si tu n'as pas touché, Allah subhanahu wa ta'ala, la yudhiru ajraka shay'an. Mais ça, avec une petite parenthèse, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit, quand il a parlé de ce hadith, il a dit, قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهلٍ للحكم. Ce hadith ne s'applique que pour une personne qui est déjà qualifiée pour faire l'ijtihad. Ça ne veut pas dire que l'ijtihad, c'est une porte qui est ouverte. N'importe quelle personne, il va te dire, moi je fais mon ijtihad. Si Allah, même si je n'arrive pas à la bonne conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala va me récompenser. Sinon, ça va devenir l'anarchie dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut faire attention à ce point. Notre religion n'est ni une religion qui est, comme ils disent, dur, qui ne bouge pas, qui est extrême, etc. C'est une religion qui est flexible. Mais flexible, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de racines. Il y a une différence entre quelque chose qui est entre un arbre qui est flexible et entre un arbre qui est déraciné. Il y a des gens qui veulent déraciner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre parenthèses, sous le prétexte de vouloir encourager le ijtihad. Le ijtihad, dans notre religion, on n'a pas de kahanout, il n'y a pas des personnes qui font partie d'une famille bénie, n'est-ce pas? Ou bien d'une famille qui est sacrée comme ça, qui a le droit d'interpréter la religion. Non, n'importe quelle personne a le droit de devenir un mujtahid. Mais vas-y, fais le travail qui est nécessaire. Étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala durement, comme tous les ulama, ils ont fait, pour pouvoir arriver au niveau qui te donne le droit de faire l'ijtihad et pouvoir rassembler les différentes conditions de l'ijtihad. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wasalam, dans ces deux hadiths qu'on vient de mentionner, on peut voir que le prophète, alayhi salatu wasalam, est en train de nous enseigner une règle très importante que les savants, ils ont expliquée et qu'ils ont formulée en disant « La inkara fi masaili » Al-ijtihad. Il n'y a pas de inkar. C'est quoi le inkar? Il n'y a pas de désapprobation. N'est-ce pas? Il n'y a pas de pénalisation en quelque sorte. Tu n'as pas le droit de pénaliser les autres dans une question de ijtihad. Tu ne peux pas dire parce que l'autre, par exemple, il a donné une opinion à laquelle toi, tu ne crois pas, tu n'es pas convaincu, tu as d'autres adillas, d'autres preuves. Lui, il te dit que l'imam Malik, rahimahullah, est très convaincant sur cette question. Toi, tu dis non, 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 l'imam Shafi, rahimahullah, est plus convaincant. Tu n'as pas le droit ici de lui dire, toi, tu es mukhalif, li sunna, tu ne suis pas le prophète, alayhi salatu wasalam, tu es égaré, tu es mubtadi', tu es telle chose, telle chose, telle chose. Ça veut dire que toi, tu es même, toi-même, un jahil, un ignorant de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et malheureusement, ça existe. Il y a des personnes qui sont dur comme ça, que quand lui, il croit à une opinion, ou bien un alim, un madhab, il devient muta'assim, ça veut dire fanatique, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'attache complètement à ça, et pour lui, tout le reste, c'est des choses qui sont égarées du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, et ça, c'est une grave erreur, parce que comme on l'a dit, les savants, ils ont expliqué, ils ont donné cette règle, la inkara fi masaili al-ijtihad, il n'y a pas de inkar dans les questions de ijtihad. Et même d'autres savants, il la formule d'une autre façon qui n'est pas très précise. Ils disent la inkara fi masaili al-khilaf. Il n'y a pas de inkar dans les questions de divergence. Ça, ce n'est pas très précis parce qu'on va voir tout à l'heure, Inch'Allah, qu'il y a certaines divergences qui ne sont pas tolérées, n'est-ce pas? Mais les questions de ijtihad, il y a des questions dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont sujettes à ijtihad, qui ne sont pas des qat'iyyat, n'est-ce pas? Et ce genre de questions-là, tu ne dois pas pénaliser les autres. Tout ce que tu as le droit de faire, c'est une seule chose. Tu as le droit de discuter, essayer de convaincre.
débattre avec éthique, avec adab, de façon qui est académique. Tu veux lui dire par exemple, toi tu crois que c'est haram, moi je ne crois pas que c'est haram. Moi je suis convaincu que c'est pas haram. J'ai vu les preuves sur ça. Lui il va te dire la même chose, tu vas lui dire, ok, viens mon frère, on va s'asseoir, on va débattre de façon qui est académique. Ça veut dire ilmi. Moi je vais te dire, il y a un hadith, il y a le cheikh, il a dit telle chose, regarde telle chose, et l'autre il répond comme ça. Mais tu dois tolérer et tu dois être en quelque sorte préparé à l'avance à l'option et à la situation dans laquelle ton frère il va peut-être pas être convaincu par ce que toi tu dis. Tu vas lui dire, toi tu as ton propre ijtihad et moi j'ai mon propre ijtihad, et tant que notre opinion ou bien tant que notre intention est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, les deux, il y a quelqu'un qui va avoir deux adorés, l'autre qui va avoir un adjab. Donc ça c'est une question qui est très importante et on va prendre quelques exemples inshallah ta'ala. Regardez, il y a un savant qui s'appelle Ishaq al-Ambari qui vivait lors du temps de l'imam Ahmad rahimahullah. Alors il est venu chez l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il lui a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Kitabu al-Ikhtilaf, le livre de la différence d'opinion, le livre de la divergence d'opinion, dans lequel je vais mettre tous les madhahib, ce que chaque savant il dit, etc., etc. Alors Imam Malik, Imam Al-Ahmad, rahimahullah ta'ala, lui a dit, la tusammihi Kitab al-Ikhtilaf, ne lui donne pas un tel titre, parce que c'est un titre qui est négatif en quelque sorte. Walakin sammihi Kitab al-Sa'ati, appelle-le plutôt, nomme ton livre plutôt Kitabu As-Sa'a. C'est quoi Sa'a? C'est l'aisance. Laysa As-Sa'a, As-Sa'atu. As-Sa'a, Shay'un Wasi'a, n'est-ce pas? C'est l'aisance ou bien l'espace, n'est-ce pas? C'est l'air quand on peut respirer. C'est ça ce qu'on appelle As-Sa'a. C'est une métaphore en quelque sorte. Donc, Imam Ahmad, rahimahullah, il est en train de lui dire, comme les ulama, ils ont expliqué que quand al-khilaf, quand la différence d'opinion entre les ulama touche à des questions de ijtihad, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette umma, pour la umma du prophète alayhi salatu wassalam, parce que ça permet aux savants, aux ulama, dans certaines situations, et attention bien, je dis bien certaines situations, et je dis bien aux ulama, parce que si quelqu'un touche à ce point-là, et qu'il n'est pas qualifié de toucher à ce point-là, ça pourrait être très grave, c'est la masse, vous voyez, c'est comme les câbles électriques, on les laisse pour Hydro-Québec, c'est pas n'importe quelle personne qui va aller pour essayer de les arranger. Il y a des questions, dans les questions de ijtihad, dans certaines situations, les ulama, sous certaines règles et certaines conditions, ils vont choisir parfois l'opinion qui est la plus bénéfique en quelque sorte et avantageuse à la umma dans un tel contexte. Vous voyez, les ulama, parfois il va te dire, le cheikh il va te dire, moi je crois que c'est l'opinion A qui a le plus de sens, du côté de l'adillah. Des preuves, il y a un hadith, une ayah, etc. Mais il y a aussi l'opinion B. Et c'est une question de ijtihad. Moi, pour moi-même, je choisirais l'opinion A. Mais parce que c'est une question qui touche à umum al-umma, à la communauté, et qui a de grandes conséquences, etc., 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 vu que possiblement, peut-être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'opinion B qui fait plus de sens, je vais donner ma fatwa en accordance avec l'opinion B. Mais comme j'ai dit, ça, on laisse ça pour al-ulama et pour al-mujtahidin, parce que si chacun d'entre nous commence à toucher à ce genre de point, on ne va plus laisser dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, al-khilaf al-maqboul, cette question de divergence d'opinion qui est tolérable dans le domaine de l'ijtihad, c'est une grande tharwa, n'est-ce pas? C'est une grande tharwa fiqhiyya de l'umma. Si on va voir dans les livres des ulama, etc., etc., tu trouves beaucoup de différentes opinions qui, de nos jours, nous donnent beaucoup de respiration, nous donnent beaucoup d'aisance, parce que tu vois que le contexte, parfois, se rétrécit, et tu vas voir que certains fuqaha, parfois, tu vas voir un alim de nos jours qui te dit que parce que les temps ont changé, etc., j'ai tendance à dire que c'est halal pour rendre ça un peu plus facile pour les gens. Mais il a peur. Il ne veut pas prendre le risque. Il va chercher dans les livres de l'Fuqaha. Après ça, tu vas trouver un savant de, il y a de cela quelques siècles, qui t'a mentionné le même point. La même opinion, il va dire, Alhamdulillah, je n'ai rien inventé, je vais suivre ce grand imam qui avait déjà mentionné une telle question auparavant. Et comme on l'a dit, une erreur et une grande erreur à ne pas faire et dans laquelle on ne doit pas tomber, c'est la question de At-ta'assub. Ça veut dire le fanatisme, que moi je crois à une opinion et que par la suite je vais m'y attacher. Et ça arrive beaucoup avec surtout les gens qui deviennent pratiquants
nouvellement pratiquant, etc., etc. Il veut, c'est bien avec une bonne intention, il veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors dès qu'il voit un hadith, il va ouvrir un livre, Bukhari comme ça, il voit, il y a un hadith sur la question, ça y est. Ça c'est al-haq. Il y a déjà un hadith sur la question et toutes les autres opinions sont faibles, sont égarées, etc., etc. Parce que son ilm, toute son ignorance est limitée à un certain nombre de hadiths. Il ne peut pas s'imaginer que les autres ulama ont vu d'autres choses et d'autres aspects de la sharia d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala qui justifient leurs autres opinions qui pourraient être aussi aussi valides que l'opinion de cette personne-là, si ce n'est pas encore plus. Regardez l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ils disent que parfois quand il faisait ses fatwas, il donnait une fatwa et à la fin de la fatwa, il disait parfois وَإِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Ça c'est un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui parle de Al-Kafirin, mais l'imam Malik rahimahullah, il a pris cette expression de Kitabullah Azza wa Jal, ce qu'on appelle une forme de iqtibas. Il disait ça. « Inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. » Ça veut dire « Sache que ma fatwa que je te donne, ce n'est qu'un dhann. » Ça veut dire « C'est un doute. » Ce n'est pas une chose qui est à 100% qat'iyya, qui est yaqiniyya. Je n'ai pas de certitude. Je ne te dis pas que ça, c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit que c'est halal ou bien haram. Ça, c'est ma fatwa, mon propre ijtihad qui m'a mené vers cette question en quelque sorte, ou bien vers cette réponse, mais sache que peut-être al-haq, ça se trouve dans une autre opinion que celle que je viens de te donner. Regardez aussi une autre, subhanallah, ça c'est vraiment, ça c'est très beau, ça, si on essaye de méditer là-dessus, si tu essaies de visualiser ce qui se passe dans cette histoire, wa alaykum salam wa rahmatullah. Quand parfois il y a une chose qui, en quelque sorte, qui limite notre compréhension de l'islam, c'est quand on lit des choses et que ça reste un texte, une récitation. Mais si tu essaies de la faire sortir comme ça du livre, tu essaies de l'imaginer comme si ça se passait de nos jours, ça va te donner une autre dimension. Imam Abu Nu'aym, rahimahullah ta'ala, il a rapporté que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit « Shawarani Harun al-Rashid fi an yu'alliq al-muwatta'a fi al-ka'bati » وَيَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَا فِيهِ. Le calife, le grand calife, Harun al-Rashid. Il est venu chez l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, « Ya imam Malik, je veux prendre ton livre qui est al-Muwatta. » On connaît tous Muwatta ou l'imami Malik. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Muwatta? En général, c'est principalement des hadiths, n'est-ce pas? Parfois l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah, mais en général, c'est des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Harun al-Rashid, il vient chez l'imam Malik, rahimahullah, lui dit, je voudrais prendre ton muwatta, ton livre de muwatta, et l'enforcer en quelque sorte sur les gens. Ça veut dire que les gens vont devoir tous suivre Muwatta Imam Malik. Toute la Ummah du prophète, alayhi salatu wasalam, sa référence dans le fiqh, ça va devenir Muwatta Imam Malik. Et pire que ça encore, je vais l'attacher à la Kaaba. « Ou'alliquhu fil Kaabati au dakhil al-Kaaba ». Imaginez cette offre, cette super belle offre. Si un alim de nos jours va recevoir la même offre, on va lui dire « Ton livre de fiqh, toi, que tu as écrit, etc., tu as tant travaillé dessus ». Il est si beau que moi, en tant que khalifa ou bien hakim, je veux prendre ton livre, je vais l'attacher à la Kaaba. Et je veux dire à tout le monde, tous les musulmans du monde, c'est ça maintenant notre référence de fiqh. Ardun mughri, comme ils disent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit? Est-ce qu'il a suivi son hawa? Il a dit, pour que je vais avoir beaucoup de... Je vais devenir populaire, je vais avoir beaucoup de ajr auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le monde va suivre l'islam selon Muwatta l'imam Malik. Non, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit, « Ya amir al-mu'minina, amma ta'liqu al-muwatta'i fil ka'bati, fa inna ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, ikhtalafu fil furu'i, faftaraku fil buldani, wa kullun inda nafsihi musib. » La diya Harun al-Rashid, ya amir al-mu'minin, sache que pour ton idée d'attacher Al-Muwatta sur Al-Kaaba, sache que les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, se sont dispersés sur cette terre. Se sont dispersés. Qu'est-ce que ça veut dire, se sont dispersés? Après le décès du prophète, alayhi salatu wasalam, As-Sahaba, radiyallahu ta'ala, ils sont allés à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, pour propager la religion d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est en passant, c'est par cette propagation des sahaba du prophète alayhi salatu wasalam que nous avons les différents madhahib de
Nos jours, les madhahib, les écoles comme les quatre écoles, et en passant, il n'y a pas juste les quatre écoles, il y a des dizaines d'écoles. Les quatre écoles, ça c'est les quatre écoles que, par le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été bien préservées, bien prises en charge comme ça, qui sont arrivées jusqu'à nos jours. On a de grands savants qui étaient encore, qui avaient plus de ilm encore que les quatre imams. Imam par exemple, Imam Al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd, Imam Shafi'i rahimahullah, qui est l'étudiant de l'imam Malik, il dit Al-Layth ibn Sa'd afqahu min Malik. Il dit Al-Layth ibn Sa'd a encore plus de savoir que l'imam Malik rahimahullah. Alors que l'imam Malik c'est son propre enseignant, mais Al-Layth ibn Sa'd, bien sûr, il avait un madhhab, mais ses étudiants n'ont pas pris la peine de bien propager son madhhab, etc. Donc c'est pas vraiment arrivé de nos jours. Alors l'imam, comme on l'a dit, sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont dispersés vers l'est, vers l'ouest, etc. Et si tu vas voir l'histoire des différents madhhab, tu vas voir que c'est relié au sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Comme par exemple madhhab Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, imam Abu Hanifa fil Kufa. Pourquoi est-ce que l'imam Abu Hanifa, c'est dans Al-Kufa et ça s'est développé dans Al-Kufa, fil Irak, etc. Si tu vas voir historiquement, tout ça vient de quel sahabi? Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui, il est parti pour s'établir dans Al-Kufa, fil Irak. Par la suite, ses étudiants ont porté le fiqh de Ibn Mas'ud, qui s'est propagé jusqu'à ce qu'il arrive au temps de Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, et le madhhab Hanafi en quelque sorte a ses racines dans le fiqh de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que les autres fiqh ahli al-Madina, fiqh al-Iraq, etc. Donc l'imam Malik rahimahullah a dit ya Harun al-Rashid, ya Amir al-Mu'minin, c'est une belle idée que tu veux me proposer, mais ce n'est pas une idée qui est juste. C'est injuste parce que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum se sont dispersés à l'est et à l'ouest, et il y a des gens dans d'autres parts du monde qui ont du savoir que nous on n'a pas. Et que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum avaient différentes opinions et ils ont voyagé avec leurs opinions qu'ils ont propagées, et c'est injuste de notre part d'aller couper toute cette richesse de fiqh et d'imposer maintenant notre opinion, l'opinion de l'imam Malik rahimahullah, sur tous les autres à l'est et à l'ouest du monde. فَقَالَ وَفَقَكَ اللَّهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ وَمِنْ أَشْنَعِ ذَلِكَ. Il y a encore pire que ça, bien sûr. Il y a encore pire que ça. Il y a des gens, comme on a dit, c'est un problème quand tu deviens fanatique à ton opinion, à ton madhhab, etc. Tu penses que c'est soit ce que toi tu penses c'est la vérité, ou bien tout l'autre, tout le reste c'est faux. Et il y a pire que ça encore. Il y a pire que ça, c'est quand la personne, wal'iyadu billah, s'attache tant à son opinion que son opinion devient l'objectif et tout le reste ça devient un moyen, et qu'il est même prêt à mentir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cacher de la vérité. Il va te montrer un hadith, il ne montre pas l'autre, etc., etc., juste pour prouver à la fin que c'est son cheikh qui dit la vérité, ou bien c'est son madhhab qui dit le vrai, ou bien c'est lui qui dit le vrai. Comme les personnes qui prétendent, par exemple, il y a des personnes, regardez, l'imam Ahmed rahimahullah, il dit من ادعى الاجماع فقد كذب. Il dit tout celui qui prétend l'ijma, ça veut dire l'unanimité sur telle ou telle autre opinion, alors c'est un menteur. Pourquoi? Alors que l'ijma normalement c'est un dalil sur lequel tous les madhahib s'entendent. Même l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala lui-même il prend avec l'ijma, mais il est en train de te dire ici que il faut pas exagérer dans l'utilisation de l'ijma. L'ijma c'est quoi? L'ijma, pour ceux et celles qui veulent comprendre l'ijma de façon très facile et très simple, l'ijma c'est là pour nous préserver en quelque sorte comme ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bi ad-darura, ou bien ce qu'on appelle aussi ad-din al-jami', comme Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il l'appelle. Ça veut dire la religion qui est connue là par nécessité, que tous les musulmans ils connaissent à travers l'histoire. Ça veut dire une question par exemple comme salat, les cinq prières, il y a ijma' de la umma que on doit faire les cinq prières. Si quelqu'un vient débattre avec toi et te dit les cinq prières, peut-être il y a quatre, il y a six, j'ai trouvé un verset dans le Coran qui nous indique qu'il y a six prières, qu'il y a quatre par jour, qu'il n'y a pas cinq, dis-lui je ne vais même pas perdre de temps avec toi, il y a ijma' de la umma qui a cinq prières par jour. C'est pour ça que les savants ils disent que même dans la procédure de l'ijtihad et de l'fatwa, première chose, tu ne passes pas par le Coran ou bien par la sunna. Même si le Coran et la sunna c'est le niveau le plus haut, le dalil le plus haut. Mais il y a le dalil qui est le premier filtre, ça doit être quoi? Al-ijma'. Si quelqu'un vient débattre avec toi d'une question, normalement l'alim il va voir directement dans l'ijma'at.
Si c'est pas dans les ijma', là on commence à débattre avec Coran, Sunna, etc. Si c'est une question de ijma' connu dans l'ijma'at, alors il n'y a même pas la peine d'ouvrir le sujet. Ne me ramène pas un Coran, hadith, etc. Parce que c'est certain que tous les ulama n'ont pas compris ce hadith ou bien ce verset de la façon dont laquelle toi tu la comprends qui est de façon qui est différente. Alors l'imam Ahmad rahimahullah, il est en train de te dire qu'il ne faut pas abuser de l'utilisation de l'ijma. Il y a des personnes comme ça, juste parce que les savants, les ulama, que lui, auxquels lui il se réfère, ils aiment ces ulama, etc. Ils vont te dire, ah, ijma, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'autres opinions. Non, ça c'est kadib. Tu dois être honnête, même si tu crois à ton opinion, tu peux la défendre de façon qui est raisonnable, mais tu ne dois pas mentir sur la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et il y a même, en passant, il y a certains savants, je pense bien que c'est l'imam San'ani, rahimahullah ta'ala, si je me rappelle bien, il avait écrit une risala. Ça veut dire un petit livre comme ça sur une question de fiqh, pour défendre une opinion. Quelques temps plus tard, il a écrit une risala, un autre livre, pour répondre à son premier livre. Il a changé d'opinion. Et quelques temps plus tard, il est revenu à la première opinion, il a écrit un troisième livre pour répondre en quelque sorte au deuxième livre. Donc vous pouvez voir ici comment est-ce que les questions de ijtihad sont des questions qui sont flexible. Et quelqu'un va nous dire, mais pourquoi c'est comme ça, etc. On va lui dire tout simplement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ça soit comme ça. Rahmatan bi ummati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cette religion, elle est là jusqu'à la fin des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il y a des choses dans la sharia qui doivent être des thawabit, qui doivent être inchangées et indiscutées. Et qu'il y a d'autres choses qui doivent être flexible et laisser aux ulama pour qu'ils en jugent dépendamment de plusieurs critères, dont l'un d'entre eux qui est les circonstances de la umma et des musulmans et de leur contexte, comme on l'a déjà expliqué. Donc ce n'est pas parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas claire qu'il y a des différentes opinions. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que certains espaces de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle habituellement al-furu', qu'elle soit plus flexible par sa hikmah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Taïb, maintenant on va passer à un autre point qui est très important. Asbab al-khilaf, pourquoi est-ce qu'il y a différentes opinions? Quelqu'un va nous dire maintenant, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tous ils lisent le même livre, Kitabullah Azza wa Jal, tous ils lisent les mêmes hadiths, etc. Et ils ont différentes opinions. Est-ce que c'est parce que les ulama, ils veulent avoir différentes opinions? Est-ce que c'est parce que les ulama, chacun il va penser comme ça, il va dire, moi, sur cette question, je vais dire c'est haram. L'autre, il va dire sur cette question, je vais dire halal. Vous voyez ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de façon qui est comme ça arbitraire que l'ulama, ils choisissent leurs opinions. L'ulama est ce qui distingue pour ceux qui veulent comprendre pourquoi est-ce qu'il y a quatre madhahib. Il faut faire une différence entre les quatre madhahib. Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Les quatre madhahib principaux qui nous restent de nos jours. Ça, c'est des écoles de fiqh. Il faut distinguer entre ces écoles-là et entre les sectes. C'est deux choses complètement différentes. Les sectes, c'est ce qu'on appelle Ahlul Bida', Ahlul Ahwa, etc. Khawarij, Jahmiya, Murji'a, Qadariya, ça, c'est de l'égarement. Ici, on est en train de parler des quatre écoles de Al-Ulama. C'est des écoles. Des écoles, la différence entre eux, c'est des différences dans leurs règles de méthodologie. Dans certaines règles d'interprétation et des règles de méthodologie de fatawa. Et sur ces règles-là, la différence entre ces différentes règles, dans le résultat qui est les différentes opinions. Donc c'est une différence qui est organisée, qui est méthodique. Ce n'est pas une anarchie, ce n'est pas parce que chacun il veut inventer une opinion, il veut ajouter une autre opinion pour que son nom soit écrit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça ce que l'ulama, alayhim rahmatullahi ta'ala, il voulait faire. Première, on va juste nommer quelques raisons principales pourquoi est-ce qu'il y a différentes opinions entre l'ulama. Pour ceux et celles qui veulent savoir plus, les ulama, ils ont écrit des livres sur asbab al-khilaf bayna al-ulama. Il y a des livres qui sont plus contemporains, d'autres qui sont plus anciens, comme par exemple Risalat al-Raf' al-Malam, li Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Première chose, parfois, al-khilaf fi sihhat al-hadith. Les ahadith, tout comme le fiqh, tout comme les opinions, halal, haram, etc., c'est une question de ijtihad. Parfois, l'authenticité du hadith est une question de ijtihad. Ça veut dire, il y a des ahadith sur lesquels tous les savants s'entendent que c'est authentique. Ijma'ul ulama, comme tout ce qui est dans Bukhari et tout ce qui est dans Muslim.
Bukhari et Muslim sont non seulement authentiques par leur sanad et par leur chaîne de transmission, etc. Ils sont au-dessus de ça authentiques par le ijma' des ulama de al-hadith sur leur authenticité. C'est pour ça que la question de Bukhari et Muslim, la porte est close. On n'y touche pas. Même un savant de hadith n'a pas le droit de nos jours d'aller chercher dans Bukhari et Muslim, chercher qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui n'est pas authentique. Pas parce qu'on ne veut pas, pas parce qu'on veut en quelque sorte être, comme ils disent, ne pas laisser la liberté d'expression, ce n'est pas comme ça. C'est parce que ces deux livres, que tout ce qu'ils contiennent à l'intérieur, à part, comme les savants ils disent, « Ahrufun yasira ».« Ahrufun yasira », c'est parfois dans une narration de Sahih Muslim, par exemple, tu vas trouver, par exemple, le hadith de « Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu », dans une narration que quelqu'un qui a donné la sadaqa avec sa main droite et qui l'a caché de sa main gauche. Et dans une autre narration qu'il a donnée avec sa main gauche et qu'il a cachée de sa main droite. Donc ça, c'est des petites différences comme ça entre les narrations que tu peux trouver kalam ou al-ulama, vous voyez. Mais quand ils te disent, par exemple, des ulama comme l'imam al-Iraqi, etc., ils ont parlé, ou bien l'imam Daraqutni, etc., ils ont parlé de, par exemple, Sahih Muslim ou bien Sahih Bukhari, ils ont critiqué certains hadiths, c'est ça ce qu'ils veulent dire par ça. C'est ahrufun yasira. C'est des petits mots comme ça qui ne font pas de différence. Mais en gros, en général, les hadiths de Bukhari, hadiths Muslim, c'est ijma' de la umma, des ulama, de hadith de la umma du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils sont authentiques et on n'a pas le droit de y toucher de nos jours, on est certain de leur authenticité. Et il y a aussi des hadiths qui sont clairement faibles. Qat'an aussi, à l'unanimité que ces hadiths qui sont, ce qu'on appelle habituellement par exemple, les hadiths qui sont fabriqués. Les hadiths ou al-mawdou'a. Da'if, c'est plusieurs degrés, mais il y a le pire de da'if qui est al-mawdou'a. Ça veut dire le hadith qui est un mensonge sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que parfois même, le narrateur lui-même, il va avouer que c'est un mensonge. Il va te dire, moi j'ai inventé ce hadith. N'est-ce pas comme certains, ils faisaient, vous voyez. Donc quand par exemple, les hadiths sur Fadlu al-Batir, sur les mérites du melon d'eau, n'est-ce pas. Les hadiths sur Fadlu, les mérites des aubergines, etc. Ce genre de hadith-là, c'est des hadiths qui sont fabriqués, c'est ijma' ulama, c'est des hadiths qui n'ont rien à voir avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre les deux, parfois, il y a certains hadiths dans lesquels la question de est-ce qu'il est sahih, est-ce qu'il est da'if, c'est une question de ijtihad entre les savants de hadith. Il y en a qui vont te dire que parce que tel narrateur, telle chose, tel élément, je suis convaincu que c'est un hadith qui est sahih. Un autre alim qui va te dire, moi je ne suis pas convaincu, je pense que c'est un hadith qui est faible pour telle et telle et telle autre raison. Il y a aussi des règles de hadith aussi, ce n'est pas un choix qui est arbitraire. Mais le résultat c'est que quand moi et toi on va avoir une divergence d'opinion sur l'authenticité de ce hadith en particulier, ça va donner en conséquence deux différentes opinions sur est-ce que ça va être halal ou bien haram par exemple. Vous voyez, toi parce que tu te bases sur le hadith, moi, parce que je ne veux pas me baser sur le hadith, parce que je n'y crois pas. Taïb, une autre raison. Al-khilafu fi fahmi mustalahat al-nass. Parfois, le hadith est authentique. Ou bien parfois, même la preuve est un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a même pas à chercher est-ce que c'est authentique, ce n'est pas authentique. Mais moi et lui, on va avoir une divergence sur l'interprétation de certains mots, de certains passages du hadith. Quand par exemple, dans Sahih al-Bukhari, quand le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous dit « Ghuslu al-Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim » Il dit, alayhi salatu wasalam, « Le bain du vendredi, prendre un bain le vendredi, c'est un wajib sur chaque musulman qui est pubère. » Maintenant, cette question de ce mot de al-wajib, il y a certains savants qui vont l'interpréter, ils vont te dire « Wajib » ici, c'est au sens où c'est obligatoire. Ça veut dire prendre le bain chaque vendredi est une obligation. D'autres savants, ils vont te dire non. Ici, wajib, ça veut dire les ta'kid. C'est pour mettre de l'emphase. Ça veut dire c'est une chose qui est très importante sans que ça ne devienne une obligation. Vous voyez? Donc, ça, c'est une différence d'opinion dans l'interprétation des mots du prophète, alayhi salatu wassalam, selon la langue arabe et les différentes possibilités qui sont dans l'uratu al-arab. Une autre cause de différence d'opinion, c'est la question de al-ta'lil, istinbat ou al-illa. Al-ta'lil, c'est quoi? Al-ta'lil, en quelque sorte, c'est la recherche de la raison.
le raisonnement en quelque sorte, la justification ou bien le raisonnement qui est derrière le hukm. Vous voyez, chaque hukm, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit ça c'est halal, ça c'est haram, etc. Habituellement, les ahkam sont reliés à une justification ou bien une cause qui est juste derrière, qu'on appelle al-illah. Et les savants, ils disent al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Quand la justification, quand la illa, elle existe, le hukm va exister. Quand la illa n'existe pas, le hukm ne va pas exister. On va donner un exemple pour simplifier la théorie complexe. On va prendre un hukm plus compris en quelque sorte. Par exemple, l'alcool. Al-khamr. On est tous d'accord que al-khamru haram. Ijma'u al-ulama, ijma'u al-muslimin. Khamr, c'est interdit. Maintenant, c'est quoi la justification? C'est quoi la illa qui est derrière l'interdiction de al-khamr? Il y a certains savants qui vont dire la seule justification, c'est al-iskar. Ça veut dire l'ivresse. Ça veut dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'interdit parce que ça cause l'ivresse. Donc ici, par analogie, al-qiyas, toute chose qui va causer l'ivresse va devenir haram. Vous voyez? Et il y a d'autres savants qui vont te dire non. L'alcool, c'est interdit à cause de l'ivresse et à cause aussi de ça, najasa. Parce qu'ils vont la considérer comme étant impure. Najisa. Et toute chose qui est impure, on n'a pas le droit de la consommer et de la manger ou bien de la boire. Vous voyez? Et cette différence d'opinion entre les deux ilal, entre les deux justifications en quelque sorte, va te donner certaines différentes opinions dans les fatawas qui vont parler, par exemple, quand on traite de certaines formes de médicaments de nos jours, etc. Ça peut se baser sur cette question de ta'lil, de justification de l'interdiction de al-khamr. Vous voyez, donc parfois, c'est la question de istimbat ou al-illah. Ce hukm, on va le relier à quelle justification? Vous voyez, certains ulama, ils vont te dire, ah, c'est telle justification, d'autres, ils vont te dire, non, c'est telle autre justification. Une autre cause de la différence d'opinion. Al-khilafu fil adillati al-ijmaliyya. Al-adilla al-ijmaliyya, ça veut dire les preuves générales. On a les preuves spécifiques. C'est quoi les preuves spécifiques? Est-ce que quelqu'un connaît, peut nous donner des exemples des preuves spécifiques dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as les preuves globales et tu as les preuves spécifiques. Les références globales et les références spécifiques. Les références globales, c'est quoi? C'est, première référence globale, c'est Kitabullahi Azza wa Jal. Al-Qur'an. Après ça, Al-Sunnah. Après ça, Al-Ijma'. Après ça, Al-Qiyas. Ça veut dire, quand on parle de la référence globale, on parle de Qur'an en tant que Qur'an, en tant que référence. On dit que le Qur'an est une référence. Quand on parle de Al-Dalil ou Al-Jus'i, la référence spécifique, c'est quoi? On va ouvrir le Coran Al-Karim, on va trouver par exemple n'importe quel verset qu'on peut trouver. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, sur la prière par exemple. Ça c'est un dalil qui est spécifique, n'est-ce pas? Donc c'est un dalil du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants parfois ils ont différentes opinions sur al-adillatu al-kulliyya, sur les références globales. Est-ce que telle masse de référence, est-ce qu'on la considère ou bien on ne la considère pas? Par exemple, les ulama, ils divergent dans les différents madahib sur la question de est-ce que qawl al-sahabi, l'opinion des compagnons, est-ce qu'on la considère comme étant un dalil ou bien on ne la considère pas comme étant un dalil? Quand Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il te dit, moi je considère que telle chose est haram. Est-ce que son opinion est un dalil ou bien ce n'est pas un dalil? Alors, selon certains madhahib, ils vont te dire, oui, c'est un dalil. S'il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de sunnah, etc. C'est un sahabi. Que je prenne l'opinion d'un sahabi qui a vécu avec le prophète, alayhi salatu wassalam, est meilleur pour moi que de prendre mon propre istimbat et mon propre jugement. D'autres ulama, ils vont te dire, non, 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 c'est un sahabi, oui, c'est vrai, mais il reste un être humain qui peut toucher à al-haq, qui peut toucher aussi à l'erreur de façon involontaire, et je préfère en tant que alim faire mon propre ijtihad et venir avec une opinion selon ma propre interprétation. Et ça, on le trouve beaucoup entre les différents madhahib, par exemple sur des questions comme al-istihsan, masalih al-mursala, d'autres choses. On a les quatre adillah qui sont en général sur lesquels
tous les madhahib vont t'entendre. S'entendre qui sont Al-Qur'an, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna, ijma', l'unanimité, en général, parce qu'encore une fois, quand on entre dans les détails de l'unanimité maintenant, ijma', on a plusieurs formes de ijma'. Il y a des formes de ijma' sur lesquelles tous s'entendent, mais il y a des formes de ijma' aussi qui sont question de différence d'opinion. Comme ijma' sukuti, s'il y a juste un silence, il n'y a personne qui a donné son opinion. Il y a juste un seul et les autres se sont tus. Est-ce que ça veut dire que les autres étaient d'accord avec celui qui a parlé ou bien non. Et par la suite, numéro 4, on a al-qiyas. Al-qiyas, c'est l'analogie. Vous voyez, ça c'est en général, tous les madhahib s'entendent sur ces quatre en général comme ça. Et après ça, on a d'autres adillas sur lesquelles on va avoir différentes opinions. Taïb, une autre cause de différence d'opinion. Al-khilaf ou fit tanzili ala al-waqih. Parfois, on va tous entendre deux personnes qui viennent du même madhab, qui étudient les mêmes livres, etc. Les deux, ils croient que ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est halal, ça c'est haram. Théoriquement, ils sont tous d'accord. Mais on va avoir une différence d'opinion sur la fatwa en ce qui concerne la pratique, sur telle et telle autre situation, sur ce qui se passe dans sa vie et dans sa vie à lui quand il demande une question. Pourquoi ? Parce que peut-être que les deux ulama vont avoir deux perceptions différentes de la réalité. Lui, il connaît certains aspects, l'autre, il ne connaît pas certains aspects que lui, il connaît. Ou bien, lui, il va rattacher cette question-là à telle question de fiqh, lui, il va la rattacher à une autre question de fiqh, vous voyez ? Comme des questions, surtout par exemple, ça arrive beaucoup de nos jours dans les questions de tout ce qui est les transactions financières, les banques, etc. Dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wasalam, même dans les livres des quatre madhahib, etc., tu ne trouves pas quelque chose qui s'appelle une banque, n'est-ce pas ? Les assurances, les banques, etc. Tu trouves des règles qui régissent les transactions, qui régissent toutes les transactions. Mais maintenant, notre travail, le travail du mujtahid, du mufti, du alim, c'est quoi ? C'est d'aller comprendre cette réalité qui sont les banques, leurs contrats, etc., leurs clauses, et de comparer ça avec les règles de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu peux avoir certaines différences d'opinion sur la compréhension de ces clauses et de ces contrats qui se font, ou bien à, on va les rattacher à quelle forme de hukm, à quelle forme de situation et type, ce qu'on appelle habituellement, comme les savants, ils appellent ça « tahqiqu al-manatat ». Taïb. Et pour finir, Inch'Allah, donc ça, on a mentionné quelques exemples seulement. Il y a plusieurs exemples, comme on l'a dit, si vous voulez revenir, Inch'Allah, il y a des livres comme, par exemple, Risalatu Raf al-Malam, qui vous parle des différentes causes, de différentes opinions entre al-ulama. Et pour finir, Inch'Allah, très important aussi pour remettre les pendules de la balance, comme ils disent, n'est-ce pas ? On doit aussi mentionner que, comme les savants, ils ont dit, « وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ » لَهُ حَضٌ مِنَ النَّظَرِ. Les savants, ils disent que ça ne veut pas dire pour autant que n'importe quelle opinion est une opinion qui est considérable. On a dit que pour qu'une opinion soit considérable, elle doit, première chose, être dans une question de ijtihad, pas dans une question de qat'iyyat, de yaqiniyyat, n'est-ce pas, les gens qui veulent remettre en question toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, supposément sous le nom et sous le prétexte de la pensée et de, n'est-ce pas, re-questionner, il va tout re-questionner, il va rien laisser de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même on va re-questionner si Allah subhanahu wa ta'ala, il existe alors, n'est-ce pas ? Alors il y a des choses qui s'appellent al-thawabit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont intouchables. Dans toutes les aires et dans n'importe quel pays, n'importe quelle terre sur laquelle tu te retrouves, tu n'as pas le droit de toucher à ce genre de questions, comme on l'a dit, comme des questions que le kaba'ir, les péchés qui sont majeurs, que tout le monde, que tous les musulmans ils connaissent, questions comme l'alcool, le khamr, des gens qui vont te dire « Ah, moi j'ai trouvé un verset qui nous dit que le khamr c'est halal, c'est parce qu'Allah dit « Fajtanibou », n'est-ce pas ? Alors évitez-le. Évitez-le, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Ça c'est première chose. « Jahlun bilouratil arab » de la langue arabe. Deuxième chose, c'est contre tous les différents ahadiths, etc. sur le sujet, il n'y a pas juste Fajtanibou, il y a des ahadiths et des versets sur la question. Et troisième chose, ça c'est Kharqun lil ijma' wa lima ulima min ad-din bi ad-darura. Tu demandes à n'importe quel chrétien, bouddhiste, juif, athée dans la rue qui a vécu avec les musulmans, dis-lui c'est quoi la religion des musulmans, il va te dire telle chose, il ne boit pas l'alcool, il ne mange pas le porc, etc. N'est-ce pas ? Ce qu'on appelle « mimma ulima min ad-din bi ad-darurati », ce n'est pas des questions qui sont ouvertes à « ijtihad ». Et la deuxième chose, comme on a dit, pour qu'un khilaf soit acceptable, il doit venir d'une personne qui est qualifiée de
donner son opinion et de faire l'ijtihad qui rassemble les différentes conditions de l'ijtihad. Donc ici, c'est quoi le khilaf? Et c'est quoi les opinions qui ne sont pas considérables, qui ne sont pas tolérables dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle al-khilaf ou al-madmoum? Et c'est ça le genre de khilaf qui cause la divergence et la division, etc. C'est soit une chose et une opinion qui va à l'encontre d'un ijma' ou bien d'un nas qat'i, d'un texte qui est indiscutable, qui est clair, que tous les savants ils te disent que ça, c'est ça l'opinion, etc. Et ça, parfois, tu vas le trouver dans ce qu'on appelle al-khilaf ou al-shadh. Al-khilaf ou al-shadh, les opinions bizarres. On va en parler un peu plus tard, inshallah ta'ala. Et parfois aussi, c'est quand al-khilaf, il vient d'une personne qui n'est pas qualifiée pour parler de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien d'une personne qui est qualifiée et sur une question de ijtihad, mais que son intention qui la pousse à parler, c'est ittiba'ul hawa. Parce que, encore une fois, rappelez-vous, c'est quoi l'ijtihad? C'est quoi la définition qu'on a donnée tout à l'heure de l'ijtihad? C'est de fournir son effort pour arriver au hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, badlu al-juhd, ça veut dire istifra'ul juhd. Tu dois donner tout ton effort avec l'intention de vouloir arriver à l'haq, pas avec l'intention de vouloir trouver l'opinion que toi, tu aimes. Donc si ce qui pousse le ijtihad, même dans une question de ijtihad, et même pour un alim, si ce qui le pousse c'est al-hawa, et ses propres désirs, ce n'est pas une opinion qui est tolérable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afouane? Oui, c'est ça, exact. Ça c'est la troisième dimension, ça c'est relié à l'akhira. Ça c'est entre lui et entre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est quoi maintenant, très brièvement comme ça, en trois minutes inshallah, c'est quoi les causes principales de ce khilaf al-madmoum, la divergence d'opinion qui n'est pas acceptable? Pourquoi est-ce qu'on va la voir? Première chose, tatabbu'u rukhasi al-ulama, le fait de courir derrière les excuses des ulama, le fatwa shopping en quelque sorte, n'est-ce pas? Le... C'est ça, c'est la nouvelle tendance. Vous savez qu'est-ce que les ulama, ils ont dit? Ils ont dit quelque chose de très percutant, très puissant. Ils ont dit, ça fait de cela plusieurs siècles qu'ils ont mentionné ça. Ils ont dit, « Man tatabba'a rukhasa al-ulama'i tazandaq » Celui qui court derrière les rukhas, ça veut dire les excuses des savants, tazandaq, ça veut dire il va perdre sa religion. Pourquoi est-ce qu'il va perdre sa religion? Parce qu'à force de courir derrière les différentes, comme ça, les différents trous que tu peux trouver, tu vas te faire un petit cocktail, un beau cocktail comme ça, qui ne ressemble en rien au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi, vous savez que l'ulama, turathuna, notre héritage de fiqh, il contient des dizaines de milliers de livres de tous les madhahib, de tous les sujets que toi tu peux imaginer. Et si quelqu'un va passer toute sa vie dans les bibliothèques à chercher dans les livres de fiqh, il va trouver, comme ils disent, les kulli jawadin kabwa. Il n'y a pas un savant qui est ma'soum. Si un savant a écrit un livre comme ça de 20 volumes, il a passé 10 ans de sa vie pour l'écrire, sache que dans ces 20 volumes qui sont pleins de nour et de guidé, etc., sache qu'il va y avoir 10 ou 20 points qu'il a mentionnés comme ça qui sont vraiment bizarres, des opinions. C'est pour ça que n'importe quel imam, quel qu'il soit grand, tu vas lui trouver dans son fiqh une ou deux opinions que les savants, ils ont dit vraiment, ça c'est ridicule. Vous voyez? Mais c'est une opinion dans un océan. Mais si quelqu'un il va aller s'amuser à chercher toutes ses opinions de chaque océan, il va nous sortir une opinion comme ça, croyez-moi, tu peux rendre halal toute chose qui est haram. Et tu peux rendre haram toute chose qui est halal. Tu peux renverser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ra'san ala aqib. Et ça, c'est comme ils disent les ulama, man tatabba'a rukhas al-ulama, tazandaqa, parce que celui qui va faire de la sorte, il va se construire son propre cocktail. C'est une religion qui est construite par le choix. C'est comme les gens de nos jours, tu peux construire ton propre ordinateur sur Internet, choisis c'est quoi la RAM que tu veux, telle chose, tant que tu payes. Vous voyez? Ça, c'est la même chose. Si tu veux suivre al-hawa, tu peux te faire une belle religion qui s'appelle autre chose que l'islam, qui va complètement avec ton cœur, et tu peux même trouver des justifications. De l'ulama, tu vas écrire deux volumes comme ça pour tout justifier, mais gare à toi devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Deuxième cause de différence d'opinion intolérable, c'est al-jahl, l'ignorance. L'ulama, ils ont dit quelque chose de très intéressant, ils ont dit « Al-ilmu nuqta kathara al-jahiloun ». Ils disent le savoir, la connaissance, al-ilm, al-fiqh,
c'est un point, un seul point. C'est comme si tu vas prendre une feuille blanche, tu mets un point. Ça veut dire, l'ilm à son origine, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est simple. Qu'est-ce qui l'a rendu complexe? Qu'est-ce qui l'a rendu plus grande? C'est quoi? Qu'est-ce qui l'a noirci? C'est al-jahil. C'est les ignorants qui ils ont dit, nous aussi, on va ajouter notre opinion, on va ajouter notre ijtihad. Lui, il va mettre son opinion, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Alors que l'ilm, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est simple. Après ça, les gens ils vont te dire, on ne comprend plus rien. Il y a quelqu'un qui te dit halal, c'est haram, l'autre à la télé, il dit c'est halal, etc. Alors que l'autre à la télé, il ne sait même pas comment commencer à lire surat al-Baqarah, probablement, s'il l'a déjà lu dans sa vie. Et malgré ça, il va te dire halal, haram, etc., etc. Avant, derrière, al-hawa, ça veut dire itiba'u al-hawa, quand on suit nos propres passions, nos propres désirs, quand notre intention ce n'est pas d'arriver à al-haq, mais de faire une fatwa que nous on aime ou bien que les gens ils aiment. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya Dawoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil-haqqi wa la tattabi'i al-hawa fayudillaka 'an sabilillah. Ne suis pas tes passions, ya Dawoud. Ne juge pas par tes passions, parce que les passions, les désirs vont t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et finalement, et ça c'est extrêmement dangereux, on a déjà parlé de ça tout à l'heure, la question de al-bari. Ça veut dire la haine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de ahlul kitab qui se sont divisés avant nous, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةِ. Ils se sont divisés pourquoi? Ils ne se sont divisés qu'après qu'ils aient reçu les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas les livres, al-haq, etc. Non, ils avaient les livres. Mais pourquoi? Écoutez l'autre verset. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Vous voyez? La cause c'est quoi? C'est al-bari, la haine. Ah, lui il dit c'est haram. Je vais donner une autre opinion, juste parce que je le déteste. Même si lui, il a les preuves, etc. Juste pour être différent, pour avoir mon propre public. Je ne veux pas être quelqu'un qui va le suivre. Je dois avoir mes propres suiveurs. Wallahu ta'ala al-muwaffiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous vers le droit chemin, incha'Allahu ta'ala. Jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tfadda. Non, non, pas de problème. Moi, je suis ouvert, Inch'Allah. Il n'y a pas de limite. Là. Taïb, le frère, il pose une question. Il dit, est-ce que nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de critiquer les savants? Est-ce qu'un autre savant, il a le droit de critiquer un autre savant? La réponse, c'est qu'à la règle, tant que les deux sont des ulama, si tu parles de la personne en tant que telle, la réponse, c'est que non. C'est parce qu'il faut distinguer, et ça, subhanallah, malheureusement. Ça, vous êtes tous ici. Vous vivez ici, au Canada, et vous savez que quand on arrive au Canada, ils t'enseignent cette règle de socialiser et de travailler avec les autres que nous, on ne connaissait pas du tout, alors que nous, on l'a dans notre religion. C'est qu'il y a une grande différence entre porter un jugement sur l'action, sur l'idée de la personne, et entre généraliser ton jugement pour qu'il atteigne la personne elle-même. Vous voyez ? Ici, par exemple, au travail, quand tu travailles dans une compagnie, comme ça, il y a des musulmans, ils ne vont pas aimer ça, ils vont te dire ça, c'est politiquement correct. Ce n'est pas vrai. Ça fait partie un peu de diplomatie, de l'adab, comme on dit, que nous, on est supposé l'avoir dans notre religion, n'est-ce pas? Il va te dire, par exemple, toi, je te respecte, etc. Je n'ai rien contre toi, mais excuse-moi, cette idée, ce travail que tu as fait, ce n'est pas un bon travail. Je critique le travail, je critique ton opinion en tant que telle, sans avoir nécessairement à te critiquer. Toi, en tant que personne, vous voyez, sauf si vraiment tu deviens une personne bizarre, etc., qui est caractérisée par ça, c'est autre chose. Mais à la règle, ni un alim, ni un non-alim n'a le droit de critiquer, pas seulement un alim, mais aussi n'importe quel musulman. Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, « Inna amwa lakum wa dima'akum wa a'radakum. Haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi jahrikum hada fi baladikum. » Hada, n'est-ce pas la hurma du croyant? Chaque musulman, il a sa dignité qui doit être respectée. Donc, normalement, le savant, ce qu'il fait, c'est que l'ulama, habituellement, il vend le alim qui critique l'opinion d'un autre alim. Si c'est pour critiquer une opinion, tu peux le faire. Tu peux écrire un livre sur Ar-Radd ala Fulan pour critiquer l'opinion en tant que telle. Que son opinion, ce qu'il a dit comme opinion, c'est une opinion qui n'est pas vraie parce qu'il y a un hadith et je suis en désaccord, etc., etc., etc. Mais parfois, tu trouves à l'ulama, ils vont dépasser cette ligne et vont critiquer la personne elle-même.
Alors là, sache que c'est deux possibilités. La première possibilité, c'est quoi? C'est que l'autre personne n'est pas un alim. Ça devient quelqu'un vraiment un égaré du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui est une tête, n'est-ce pas, un leader d'une secte, etc., etc. Et le savant, il va considérer qu'il a une responsabilité de dire aux gens que cette personne est vraiment elle-même égarée du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle a dépassé les limites du raisonnable et du tolérable. Ça, tu vas le trouver. Et tu vas trouver parfois aussi dans les livres de l'ulama qu'un alim, il va critiquer et parfois parler même durement d'un autre alim que l'autre, il est aussi un alim. Et ça, c'est clair que c'est une erreur du premier alim. C'est pour ça que les savants, ils te disent « Kalamu al-ulama'i ba'dihim fi ba'din yutwa wa la yurwa » Ils te disent pour ce genre de situation, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le livre, tu prends ce qui fait partie de l'ilm, ce qui est de hadiyu al-nubuwa, de l'héritage de la prophétie, ce qui est l'haq, le reste, les insultes, leurs problèmes personnels l'un contre l'autre. Ça, l'ulama, ils te disent « Yutwa wa la yurwa » Tu fermes le livre, tu le mets de côté et tu l'oublies. Ça, tu le laisses. Wa inda Allahi tajtami'u al-khusum. Les deux vont faire face à Allah subhanahu wa ta'ala et chacun va répondre de ses actes. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui, quand il va voir un khilaf comme ça entre deux grands alims qui sont les deux des ulama, qui khilaf se transforme en une différence et un problème personnel entre les deux, lui va se mettre à l'intérieur et va participer. Non. Tilka fitnatun salimat minha. يَدُكَ فَلْيَسْلَمْ مِنْهَا لِسَانُكَ Tant que toi, tu n'as rien à voir avec eux, alors laisse-les entre eux. Tu n'as pas à répondre de leurs travaux et leurs œuvres devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et ça, ça arrive beaucoup en passant entre les ulama qu'on appelle al-aqran. Al-aqran, ça veut dire les ulama de la même génération. Ça arrive très peu entre un alim et un jeune étudiant comme ça, un jeune auteur. Habituellement, ça arrive entre deux ulama parce que ça fait partie d'un nafs que deux personnes qui sont des compétiteurs du même âge, n'est-ce pas, qui ont le même ilm, etc. Al-Shaytan, il peut entrer, il va inciter, etc. Comme Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumain, il a dit Al-Aqranu ashaddu taghayuran min at-tuyus. Il a dit, c'est comme at-tayis. Vous savez, at-tayis, ça veut dire le mal de Non, de la chèvre. Il dit que la jalousie entre Al-Aqran et Al-Ulama, parfois, c'est comme la jalousie entre les Tuyus. Donc pour nous, ça c'est une partie qu'on va mettre de côté, on va l'oublier, on la laisse pour Yawm al-Qiyama et on prend al-ilm qui est au milieu de tout ça, on va le prendre pour nous-mêmes. Na'am. Wa jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.